Refouachelema. Deux. Chaim Aaron. Eli Baruch. Ben Aïcha. Ben Aïcha. Chaim Aaron Lev. Chaim Aaron Lev. Ben Rivka. Ben Rivka. Irmiyahu Fredj. Irmiyahu Fredj. Chai Nissim. Chai Nissim. Ben Simon Simcha. Ben Simon Simcha. Amen. Amen. Shlomo Ben Louis. Amram Ben Esther Gislen. Amen. Ma grand-mère, Masouda. Nico. Bat Solika. Amen. Et Yoshua Ben Simcha. Ben Maïcha. Elodie Rivka. Hein, Elodie Rivka. Collège. Pour le Hilou Nishmat de Yosef Barisha. C'est vrai? Et j'ai laissé de Blanc-Ménil, on était ensemble. Et de Mévorar. Mévorar. Yosef Baraïcha. Marc Mordechai Ben Elza. Marc Mordechai Ben Elza. Yehuda Ben Shalom. Yehuda Ben Shalom. Dvorah Ben Meziana. Mévorar Ben Meziana. Dora Batalgria. Avraham Ben Nina. Ben Moshe. Ces 16 ans-là. Tout l'homme Israël Bezrat Hashem. Moshe Ben Issim. Et après, je l'ai pris sur le Bezrat Hashem. Il était avec cette belle femme. On va. Il y avait quelqu'un qui voulait venir. C'est qui est devenu à Ouman avec nous. Le Michael Alfou. Ah oui. Le louche. Je veux venir. C'est le ramin. Top. Alors, on a une pensée pour notre ami Michael Alfon. Le louche. Le louche, à côté. Gaston. Top. Gaston. Ça va. Le frère du rabbin. Il est décédé. On va Bezrat Hashem commencer avec l'aide de Dieu. Bezrat Hashem en s'attachant au tzaddik authentique, le tzaddik de tous les tzaddikim, le patron de tous les patrons. Abenu Nachman Ben Feg et Nanach Nachman Nachman et Ouman. Nanach Nachman Nachman et Ouman. Alors, ce soir on va étudier avec l'aide de Dieu. Non. Une sikha du Sikhot Aran, la sikha numéro 128, une petite sikha du Sikhot Aran, mais comme on a l'habitude de dire que les petites sikha du Sikhot Aran, c'est les plus piquantes, les plus, où il y a beaucoup de, voilà, où il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, Bezrat Hashem, malgré que quand on la lit comme ça, bon, on se dit qu'est-ce qu'il puisse y avoir. Mais déjà, je voudrais mettre la première directement au commencement. Notre conversation numéro 128, elle commence par un mot. Que déjà, de ce mot-là, je voudrais parler. Comment elle commence ? Il raconta sa louange. D'accord ? Comme ça c'est écrit ? La 128 se félicita. Il se félicita, ouais. Là, il y a marqué direct Rabbeinu. Ah, direct avec Rabbeinu. Sur le même, qu'il connaissait tout le contenu du livre de Tzachaï. Non. Alors, elle est plus petite. Moi, il est spécialisé dans les premiers mots. Il racontera sa louange. Comme ça, c'est le vrai. Il se félicitait de connaître parfaitement. Voilà. Il se félicitait. Nahan, c'est aussi, on peut dire ça. Il se félicitait. Mais qu'est-ce qui lui arrive, excuse-moi, si je peux me permettre. De se féliciter. Dans deux Sikhot Rabbeinu, il parle peu du Tikkun HaZohar. On a étudié la cour dernière, ouais. Et cette fois-ci-là. Alors en général, le Sikhot Aran, Rabbi Nathan, c'est lui qui a écrit le Sikhot Aran. Le Sikhot Aran n'a pas été écrit le jour même. C'est plus tard, après que Rabbeinu est mort. Alors Rabbi Nathan, il a fait un rassemblement de toutes les paroles et de tous les écrits de Rabbeinu. Il s'est posé. De l'Ikuté Moran, c'était tout de suite. Le Sipurim Maaseot, c'était tout de suite. Le Sefer Amidot, c'était tout de suite. Après, non. Pendant la vie. Pendant sa vie, même âge. Quand il parlait, il écrivait tout de suite. Après, il avait un paquet, il avait noté toujours, il avait noté plein de papiers. Il y avait les élèves, aussi les élèves, Rabbi Naftali, Rabbi Aaron, chacun, il notait. Après que Rabbeinu est mort, jamais il aurait cru que Rabbeinu, il serait mort. Salut Nissim. Oh. Les papas, Nissim, on va pas te manger, nous. Et il a vu Rabbi Nathan. D'abord, jamais il aurait cru, Rabbi Nathan, que Rabbeinu il serait parti aussitôt à l'âge de 38 ans.
C'était tellement tôt. Puis il s'est dit jamais, donc j'ai le temps encore d'écrire. Mais d'un coup, Rabbeinu est parti. Rabbeinu, il est parti de ce monde. Pendant la première année où Rabbeinu, il est parti de ce monde, c'était très difficile pour Rabbi Nathan. Rabbi Nathan était complètement perdu. Mamash, complètement perdu. Après l'année, Rabbi Nathan, il s'est dit, il faut que je me reprends. Et là, il a commencé à faire, à tourner, voir tous les élèves. Est-ce que vous avez des écrits? Est-ce que vous avez des paroles? Vous vous rappelez de quelque chose? Et il a commencé à rassembler tous les écrits, tous les manuscrits, toutes les paroles, tout ce qu'on pouvait, Lui, il en avait déjà un grand paquet. Et il a commencé à écrire le Sichot Aran, le Chaye Moharan. Il a commencé à faire le Likutei Etzot. Il a commencé à faire tous les autres livres et il a commencé à les... Donc le Sichot Aran a été écrit un peu plus tard, vous comprenez? Donc, vous allez voir dans Sichot Aran qu'en majorité, il y a un certain ordre. Tu vois que 1, 2, 3, ils sont les mêmes. Après, il a écrit les 4, 5, 6, c'est les mêmes. Après, les 7, 8, il y a un certain... Il écrivait sur le Zohar, alors il s'est rappelé... C'est la Torah orale et la Torah écrite en réalité. Ouais, non, mais Vadaï, mais ça, il y a ça dans toutes les chassidouyot. Dans toutes les chassidouyot, il y a la Torah chez Birtav et Torah chez Balpé. Il y a la Torah orale et Torah écrite. Toutes les chassidouyot, c'est mamash comme ça, parce que Behemet, c'est comme ça. C'est mamash comme ça. Mais bon, en tout cas... Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, le cours dernier, on a étudié combien c'était important le Zohar. Vous vous rappelez? Comment le Zohar, il était important, comment les anciens à l'époque... Voilà, surtout le pendant le mois d'Eloul. Maintenant, Rabbi Nathan, il va nous écrire ici une autre sikha qui parle aussi du Zohar. Mais juste avant ça, je voudrais me poser sur deux mots au tout début de la conversation. C'est quoi les deux premiers mots? Il se félicita. En vérité, ça veut dire, il raconta sa louange. Comment c'est possible? Alors, je ne vais pas dire comment c'est possible, mais c'est quoi le Inyan de parler de sa louange? On va dire un petit peu de mots, de se vanter. C'était comment? Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Ayam meshabeh achet atzmo. Ou achet atzmo. Il se félicitait. Ouais, il se félicitait. Il se faisait une louange. Il se faisait des louanges, ouais. Il se faisait une louange. Alors, il était content de lui. Ouais, Nahon, non, mais c'est pas mal, oui. Il était pas que content de lui. Ouais, Nahon. Donc les gens, ils assortaient. Voilà, Nahon, exactement. Donc il y a la possibilité de pouvoir expliquer ça de cette manière-là. Et il y a aussi une autre. Salut. Salut le frère. Tu aurais l'air dit. Allô? Winek, Winek, ça va? Allez, Charlie, je vais jouer ton mode. Oh, vraiment mon frère? Les Danuers? Oh, Jerry. Les Danuers? Au moins la casquette. Je suis là pour vous poser des questions. Ça va? Ça va? Ça va? Alors, malheureusement, il y a des gens, et d'ailleurs, c'est toujours les gens qui n'ont jamais étudié, jamais ouvert un livre, qui ont des choses à dire, comment il fait, comment il dit, comment il peut se féliciter. Il y a de la gava, c'est quoi la gava? C'est de l'orgueil. Est-ce qu'on a le droit d'être orgueilleux? Est-ce qu'on a le droit de dire un chidouche comme moi, il n'y en a jamais eu dans le monde? Et que... Ça a toujours été une des choses que je me suis... Alors, en général... Je vous ai expliqué un truc la dernière fois. En général... Il lui a dit que Hachem, il lui a dit que lui, c'est un chidouche, un comme un bolo. D'accord. Le chidouche, ok, mais là, voilà. Il se félicita. Félicita. Alors, je t'explique. Alors, il y a... Donne-moi le sirataran. Comprendre le... C'est sûr qu'il n'y a pas de la gava, mais... Alors, tu vois, comprendre le... Alors, écoute-moi bien. Il y a un livre qui s'appelle le Sefer HaChassidim. C'est qui a écrit le livre Sefer HaChassidim? C'est un livre très ancien. C'est un livre qui date de, on va dire, à peu près 1000 ans. C'est qui a écrit le livre Sefer HaChassidim? C'est Rabbi Yehuda HaChassid. Rabbi Yehuda HaChassid faisait partie des Tosfot. Il habitait à côté de France, dans Eichenstadt. Un truc stat là-bas, entre l'Allemagne. Michelstadt, un truc comme ça, ouais. Non, Michelstadt, c'est le Baal Shem. Ouais, c'est une ville, Michelstadt. Donc c'est là-bas, c'est à peu près dans les endroits là-bas. Rabbi Yehuda HaChassid, c'était un très très grand tzaddik. Et il a écrit un livre qui s'appelle Sefer HaChassidim. C'est quoi le Sefer HaChassidim? Il a décrit, il y a déjà 800, 900 ans, il a décrit comment devenir un chassid. C'est quoi les conditions pour être un chassid? C'est quoi un chassid? Chassid vient du mot chesed. Chesed vient du mot
bonté. Bonté, ça veut dire quoi? Comment être un homme qui fait de la bonté, qui est bon aux yeux de Dieu? C'est ça un chassid. Un chassid, c'est un juif qui est bon aux yeux de Dieu. Kadosh Baruch Hu, il dit, il y a des gens normaux. C'est des gens qui appliquent Torah ou mitzvot. Il y a des gens qui sont un peu plus que normal. C'est des gens qui font un peu plus que Torah ou mitzvot. Ils font un peu plus. Ils font un peu de chumrot. Ils font un peu de ils font, ils rajoutent un petit peu parce qu'ils aiment Hachem. Et il y a des chassidim. Les chassidim, c'est un niveau... Il y en a qui disent que c'est au-dessus des tzadikim. Comme ça, c'est une machloka dans la Gemara. Aïmina yuadif. Tzadik ou chassid. C'est quoi qui est le meilleur? Le tzadik ou le chassid? C'est une machloka dans la Gemara. On ne va pas rentrer dans ça. Et là-bas, c'est un livre en entier où il donne des qualités, comment devenir un chassid. C'est un livre qui était très beaucoup étudié, mamash, parce que c'est, ça fait partie des livres qui sont vraiment très très importants. Là-bas, dans le livre du Sefer HaChassidim, il y a beaucoup de choses qui sont étonnantes. Étonnantes, mamash, des choses que jamais tu aurais cru que ça serait aussi important et qu'il fallait faire appliquer des choses pareilles. Dans Sefer HaChassidim, il y a écrit comme ça. C'est faire c'est le Non, là, ça n'a rien à voir, d'accord. C'est faire chassidim, c'est pareil. C'est faire chassidim, c'est pareil. C'est faire chassidim, c'est pareil. Là-bas, il y a écrit comme ça. Adam magid les banav, oh les talmidav, kar aniose ve kar aniose. Un papa est obligé de dire à ses enfants, ou un maître a l'obligation de dire à ses élèves, ainsi je fais et ainsi je fais. Ainsi j'ai atteint et ainsi j'ai atteint. Pourquoi? Kedei shehem yasukach. Kedirtiv. Pour que eux aussi puissent recopier leur maître ou alors leur papa. C'est très important que. Hein? Kedirtiv. Ki shamarti darke adonai velo rachati me elohai. Il y a un pasouk où il dit, quand Akadosh Baruch Hu, il te donne d'appliquer des choses que tu fais et que tu le gardes que pour toi, Dieu te le reprend. Dieu, il te le reprend. Alors maintenant, quand c'est personnel, ça doit rester personnel. Parce que normalement, tout service divin... Comme quoi, le matériel ou le spirituel? Non, on parle là que spirituel. Là, Avoda d'Hachem. Par exemple, aller au Mikvé, par exemple, ça c'est un cadeau, il te le donne. Exactement. Alors, toi, tu l'as partagé avec personne. Ça, c'est personnel. Non, mais t'as pas compris. Par exemple, le Mikvé, tu rentres chez toi à la maison après le Mikvé, tu dis Baruch Hachem. Quel mérite, Baruch Hachem, je suis allé au Mikvé, je me sens tout neuf. Merci Hachem que je suis allé au Mikvé. Qu'est-ce que t'as fait là? Tu as fait partager à ta femme et à tes enfants qu'ils ont. Qui ça leur a fait rentrer dans leur tête, waouh, mon papa, il aime le mikvé, aujourd'hui t'es allé au mikvé, ça lui a fait renouveler. Tac! Tu l'as pas partagé. Akadosh Baruch Hu dit, tu vois, je suis content, demain je vais te le refaire. Tu comprends? Maintenant, il y a des choses où il faut pas que ça. Il faut pas dévoiler. Comme par exemple, Idbo des doutes. Par contre, tu peux dire, j'ai fait Idbo des doutes. Mais tu dis pas quand. Tu dis comme ça, un jour. Quand j'ai fait Idbo des doutes, j'étais tellement proche de Dieu que... Oh là là, c'était un sentiment. Mais tu dis pas quand... Pas, tu dis pas... C'est hier quand j'ai fait mon ordre Idbo des doutes. Qu'est-ce que t'es en train de faire là? T'es en train de raconter au public... Non, ça n'a rien à voir. Non, c'est important. Non, mais c'est important de pas quand même. C'est important. Parce que je vous ai dit Idbo des doutes, vous savez c'est quoi Idbo des doutes? C'est Beno Leven Kono. Vous vous rappelez qu'est-ce que je vous ai dit? Beno Leven Kono... Tu racontes pas ta sikha, tu racontes que t'as fait. Oui, mais écoute. Beno Leven Kono veut dire entre toi et ton créateur. Le mot Beno Leven Kono, il n'existe que dans un autre, une seule autre situation. Une seule autre situation. Beno Leven Ishto, entre lui et sa femme. Comme on raconte pas, hier j'étais avec, voilà, donc tu racontes pas avec Akadosh Baruch Hu. Parce que quand tu parles avec Hachem Idbo des doutes, c'est mamash comme si que tu te... T'es en union avec Hachem Idbarach. Et ça, vaut mieux le garder pour toi. Alors tu peux dire en général, hein, quand j'ai fait Idbo des doutes, alors ça m'a fait... Pourquoi? Parce que ça aussi, ça tu comprends? Voilà. Je dis pas quand j'ai en général quand je suis... Non, d'accord. Non, mais ça... on a compris, quoi. On a compris, d'accord. Alors, maintenant... Il y a des moments où on ne peut pas parler à Hachem. Il y a des moments, des jours, des moments, des... Je sais pas. Qu'on ne peut pas parler à Hachem? Ouais. Des endroits, non? Si, non. Des endroits, peut-être des endroits, mais pas des moments. Des moments, je crois pas qu'il y a des moments où on peut pas parler à Hachem. Non.
Au cinéma. Pourquoi pas si tu vas au cinéma, tu fais du bedou. Non, même Chas Veshalom aux toilettes, quand quelqu'un il est très malade, eh ben, il peut parler à Hachem même aux toilettes, quand il est très malade. Un jour, Rabbi Israël, il est rentré dans les toilettes, et il a vu un serpent avec deux têtes. C'est ce que c'est un serpent avec... Shalom Aleichem Yaakov. Il a vu un serpent avec deux têtes qui est venu. Et à l'époque, les... À l'époque, les... Et à l'époque, les toilettes, c'était pas comme aujourd'hui, c'est une porte que tu ouvres, etc. C'était des sortes de grottes que la porte s'était enfoncée dans la terre. Pour ouvrir la porte, c'était un travail, quoi. Il fallait le prendre, supporter, rouvrir. Donc quand tu rentrais et que tu fermais la porte, pour ressortir, c'était un grand travail. Donc là, il était face à face devant un serpent à deux têtes. Et qu'est-ce que tu fais? Et il s'est dit, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas parler dans les toilettes, je ne peux pas, comment je fais? Alors il a levé les yeux au ciel, il a crié, Hachem, 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 Hachem. Et après, il n'a pas raconté c'était quoi la fin, mais apparemment qu'il s'en est sorti, quoi. Ça veut dire que même dans les toilettes, quand tu es dans un danger, tu peux appeler à Kadosh Baruch Hu, parce que c'est très, très, très grave de penser des paroles de Torah dans les toilettes. C'est très, 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 très grave. Alors, je continue, mes amis. Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est que il y a des choses qu'il faut partager au public. C'est comme, par exemple, pour renforcer un ami, de dire, Baruch HaShem, aujourd'hui, j'ai étudié un étude de Torah, et j'ai appris que, comme ça et comme ça. Le monsieur, il va dire, oh là là, tu vois, il étudie celui-là. Hein. Il travaille, il est comme ça et comme ça, mais il s'efforce à étudier. Alors, grâce à ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait partager. C'est ce qu'il dit, le Sefer Hassid. Les gens, ils peuvent le voir comme justement qu'il s'est vanté. Alors, c'est pour cela ici qu'il y a écrit deux choses. Ici, il y a écrit un papa avec ses enfants et un maître avec son élève. Ouais. C'est-à-dire pas entre amis. Entre amis, personne ne doit être au courant de ce que tu fais. Personne. Alors, mais c'est justement les amis que souvent tu te renforces entre amis. Alors tu peux le renforcer d'une certaine façon. Mais là il y a écrit entre papa et les enfants et maître et ses élèves. Genre tu dis à un ami, j'ai vu un vor dans la gloire magnifique et tout, t'as pas le droit de faire ça? C'est pas que t'as pas le droit, c'est que tu vas perdre toute la beauté de ce que tu as fait. Parce que tu vas te vanter. Si tu te vantes, tu reçois le kavod de la Torah. Non, mais si tu lui expliques, non, pas ce oui, tu lui dis juste, j'ai entendu comme ça. Au lieu de lui dire, je me suis assis, j'ai étudié avec quelqu'un, laisse tomber tout ça. Tu dis, quelqu'un m'a dit. Et là, tu es vraiment un vrai tzaddique, parce que dans le ciel, tu l'as gardé que pour toi, et le Sahar, il sera à la perfection. Que si tu le partages, Rabbi Nachman, il a dit comme ça. Quand j'étais jeune, je jeûnais de semaine en semaine. Ça veut dire, Souda Shlishi, tu mangeais. Après Souda Shlishi, tu ne mangeais plus. Jusqu'à Souda Rishona de Shabbat prochain. Et comme ça, Rabbi Nachman, il a fait des semaines et des semaines et des semaines. Un jour, Rabbi Nachman, il est arrivé en plein milieu de la semaine et il a commencé du sang à sortir de toute sa tête, de ses yeux, de ses oreilles, de son nez. Et Rabbi Haïkel, il est venu, il est rentré comme ça, il a vu, il a dit, oh, Rabbeinu, vous êtes fou, vous êtes fou. Je vais aller crier à tout le monde, je vais dire à tout le monde que vous jeûnez. Alors il dit, non, je t'en supplie, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Alors il a dit, alors, je vous oblige de manger du poulet tout de suite maintenant. Alors, il est parti, il lui a fait du poulet, etc., etc. Rabbeinu lui a dit, tu sais pourquoi ça m'est arrivé? Ça m'est arrivé parce que ça commence un petit peu, les gens, ils commencent à se douter que je ne mange pas. Au moment où mon service divin à moi personnel, des gens commencent à le connaître, il n'y a plus le même effet. Plus des gens connaissent mon service divin, mon avodat Hashem, plus il y a moins d'effet. Plus les gens, ils sont au courant de ce que tu fais, moins ça a de l'effet. Il n'a pas fait chanter, ouais, après? Ouais, oui, il a fait chanter, ouais, exactement, ouais, c'est une longue histoire, mais j'ai raconté juste le Inyan. C'est un cadeau. Attends, ça donne envie aux autres aussi. Quand tu vois ton ami à toi qui est dans la. Vous attachez, mais ça, et tu vois qu'il est heureux. Oui, mais toi, t'as envie de goûter à ça, tires du mérite, tu vois, je veux dire. Tu le dis pas pour le renforcer, ton pote, tu le dis parce que t'es fier de dire que t'as appris quelque chose dans la Torah. Et si tu le dis, non, justement, c'est une pomme de terre. Tu te sens fier de connaître quelque chose et d'apprendre quelque chose à quelqu'un. Ça dépend beaucoup de la cavale. Comment tu le fais? Faut que je le partage avec toi. Même si t'as pas la cavana, ouais, le fait entendu que c'est connu, quelqu'un m'a raconté, ouais, il y a un moins d'effet. Qu'il a découvert dans un livre. Vas-y, fais-le comme ça. Même sans dire. Tout ce mérite le fait est de qu'on te voit y aller dans la forêt.
C'est super pouvoir que t'as en vrai, faut les garder pour toi. Tout la Vodat Hashem, c'est pour toi, Yahashem Itbarach. Là, il dit le Sefer HaChassidim, tes enfants, ta famille, tu peux leur dire. À eux, tu peux leur dire. Parce qu'on ne craindra pas que... Ouais, moi je me rappelle, nous, quand on était jeunes, en tant que Breslev, alors pour nous, c'était quelque chose d'énorme de ne dire à personne rien. Alors on allait à Idbo des Doutes, on se cachait dans une heure où personne ne sait, on allait, etc., etc. Et je voyais, moi, que mon père, il disait tout ce qu'il faisait chez nous à la maison. Je lui dis, mais... Maintenant, je pouvais pas lui dire, parce que c'est mon père. Il faisait ça. Oui, mais moi, je savais pas, moi, je connaissais pas ça. Ouais, moi, je connaissais pas. Ça, pour moi, c'est nouveau, ça. Mais lui, il disait tout. Et je vais vous dire la vérité. En vérité, c'est grâce à lui, parce que, en fait, il me mettait l'eau à la bouche. Il fait ça. Waouh, c'est-à-dire... Mais en vérité, ben, oui, c'est comme ça. Un père, il doit partager avec sa famille de son avodat Hashem. Maintenant, un maître, il doit aussi dire à ses élèves. Pourquoi? Pour que ses élèves, ils le jalousent. Du bon terme, hein. Parce qu'il s'appelle Kinat Sofrim Tarber Chorma. Dans les Maximes des Pères, il y a écrit qu'il y a une jalousie qui est positif, qui est bonne. Et c'est quoi? C'est la jalousie de servir Hachem. Et ça, c'est énormément important. Et c'est le contraire avec Rabbi Nachman. Pourquoi? Rabbi Nachman, il a dit, si j'ai le sang et tout, c'est parce que justement, il se sent... Ça, c'était au tout début, quand il était en train de se construire. Et là, il faisait des choses que ça nous dépassait. Mais par contre, tu vois que Rabbi Nachman, il a dévoilé des choses que normalement, on ne dévoile pas. Comme par exemple, ce qu'on va étudier aujourd'hui. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman de Breslev? Rabbi Nachman se vante. Qu'est-ce qu'il se vante? Il dit Rabbi Nachman de Breslev. Tu connais parfaitement. Il dit comme ça. Il raconta sa louange en affirmant qu'il connaissait tous les propos du Etzraïm et du prix Etzraïm, ainsi que tous les écrits du Hari de mémoire bénie, relatifs au livre du Zohar, en provenance principalement des Tikkunim. Ce que l'on comprend de ces paroles, c'est que cette étude datait du temps de sa jeunesse. Vous savez ce que c'est le Etzraïm et le prix Etzraïm? Ça nous dépasse. Bah oui, ça vous dépasse parce que toute cette sikha, elle vous dépasse complètement, mes amis. Je ne sais pas si un jour vous pourrez la comprendre, cette sikha. Le Etzraïm... On va y aller. C'est sympa. Merci beaucoup. Le Etzraïm... On dit en hébreu, en langage chassidique, c'est le ilan. C'est quoi le ilan? C'est l'arbre. C'est quoi l'arbre? L'arbre, écoutez les amis, il y a un tronc. Dans le tronc, il y a un tronc qui a une puissance. Et dans ce tronc-là, il envoie des branches. Les branches, il envoie des autres branches. Et qui fait pousser des fleurs. Et que les fleurs font créer des fruits. Et ainsi de suite. Maintenant, dans le tronc en lui-même, il y a en bas des racines. Des racines qui rentrent le plus profond de la terre, et qu'une racine envoie des racines, etc. Des fois, les racines, ils sont encore plus grandes que tout l'arbre avec toutes les fleurs, avec tout. Et ils descendent au plus profond possible de la terre, et ils essayent d'être yonek, comment on dit de yonek, de puiser le maximum de vitalité qu'il y a sous terre. Et comme ça, un arbre est conçu. Vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le ciel et la terre, Kadosh Baruch Hu n'a pas commencé à créer le ciel et la terre. Le ciel et la terre, on va dire, c'était la fin de son travail. À Kadosh Baruch Hu, avant qu'il a construit le ciel et la terre, il a construit des centaines de milliers de milliards de mondes bien avant. Des mondes qui commencent à la totale spiritualité et que petit à petit, de monde en monde, ça se matérialise petit à petit jusqu'à qu'il est arrivé à ce monde-ci, où ce monde-ci, c'est le 100% du matériel. Mais, hein, c'était long quand même, 974 d'euros. Eh bien, même bien avant, il y a des mondes qui étaient complètement spirituels, des centaines de milliers de milliards de mondes, mes amis. Ce n'est pas stam des numéros, c'est du vrai sur vrai. Maintenant, tous les mondes, ils sont placés d'une certaine manière. Dans ces mondes-là, il y a l'emplacement des anges. Il y a plusieurs sortes d'anges. Il y a l'emplacement de la chaise du trône d'Akadosh Baruch Hu. Où est le trône d'Akadosh Baruch Hu? Il y a le sceptre d'Akadosh Baruch Hu.
il y a la couronne d'Akadosh Baruch Hu. Pour mettre la couronne d'Akadosh Baruch Hu, il y a un monde en entier, rien que pour la couronne d'Hachem. Un monde en entier. Vous savez ce que c'est un monde en entier? Ce monde-ci, c'est un monde qui est tout petit. Hein. Un monde en entier où il y a des centaines de milliards d'anges qui créent tout le temps, qui enlèvent, qui remettent la couronne d'Akadosh Baruch Hu des pierres précieuses. Tout le temps, depuis que le monde est créé, leur travail, c'est de créer la couronne d'Akadosh Baruch Hu pour que, de temps en temps, quand Akadosh Baruch Hu, il décide, mettez-moi ma couronne, alors là, dans le ciel... C'est spirituel, là, quand tu dis la couronne et tout. Ouais. Je sais pas. Mais oui, ça peut pas être matériel. Sinon, tu imagines une tête et tout. Ok, bon. Alors spirituel, mais c'est aussi matériel. C'est une vraie couronne. Il y a une vraie couronne spirituelle. Une vraie couronne spirituelle. Et quand il y a... Ouais. Tu poses des questions que ça va. Quand tu dis c'est la couronne, le Keter. Le Keter. Non, mais une vraie couronne. Le Keter du... Ah, pas la... Non, pas les sphirotes. Pas les sphirotes. Le Keter Mamage. Quand Akadosh Baruch Hu, il va être couronné. C'est quand Akadosh Baruch Hu, il va être couronné. Quand Akadosh Baruch Hu, il est content, quand il se passe un événement, quand il a quelque chose. Quand il y a... Voilà, exactement. La Hartara, quand on veut. À Rosh Hashanah. Quand on dit à Meler. Quand on dit Amelech, on crie Amelech le roi, Amelech Akadosh, Amelech Amishpat. Ça, c'est des moments où on met la couronne à Hachem. Et là, il y a une explosion. C'est un monde. C'est comme tu dis, il y a une armée d'hommes, d'êtres humains, dans la planète Terre. C'est pareil, c'est ça. Alors, il a tout le temps sa couronne? Non, pas toujours. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que ça change. Donc il y a des milliers de mondes, il y a des milliers de choses. Maintenant, il y a écrit que ça fait partie. Normalement, on n'a pas le droit de dévoiler ces secrets-là. On n'a pas le droit de dévoiler tous ces secrets-là. Pourquoi? Parce que ces secrets-là, ça fait partie que Vod Elohim Aster Davar. C'est-à-dire l'honneur de Dieu cache-là. Pourquoi? Parce que c'est intime. Ce qui est intime... Tu ne peux pas le dévoiler. Parce que c'est comme les hadarim, c'est comme les pièces du roi. Tu ne peux pas rentrer dans les pièces du roi. C'est intime, c'est ses pièces, c'est là où il est, c'est là où il... Tu ne peux pas. Par contre, c'est qui rentre dans les pièces du roi? C'est les personnes intimes. Sa femme, ses enfants, la Rome. Eux, pour eux, il n'y a pas d'intimité parce qu'eux, ils sont très proches du roi. Donc c'est les... Alors il dit comme ça. Alors c'est écrit comme ça. Que... Il y a certaines personnes, à l'époque où ces choses-là devaient être complètement voilées et que personne ne devait connaître. Mais à la fin de tous les temps, quand le Mashiach viendra, Akadosh Baruch Hu, il sera très intime avec nous. Et Akadosh Baruch Hu nous demandera, il voudrait faire partager son intimité avec nous-mêmes. Oui, on est des enfants d'Hachem, mais pas proches. Des enfants éloignés. À l'époque, c'était des enfants qui étaient éloignés. Là, on était des enfants où on pouvait rentrer même dans l'intimité de Dieu. Parce que plus on se rapproche du Mashiach, plus on devient metoukanim, on devient des personnes réparées. À l'époque, on n'était pas réparés, on était loin de la réparation. Des fois, tu fais une chose. Oui, mais pas assez. Parce que ça doit être kollel. Non, des fois, genre, tu fais une n'importe quoi comme mitzvah, et alors tu arrives à des mondes... Oui, Nachon. Mais moi, je parle pas de ça, là. Là, je parle de connaître, d'apprendre tous ces mondes-là. Est-ce qu'il y a une yann de connaître ça, Bichlal? Alors, à l'époque, non, aujourd'hui, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit que quand Akadosh Baruch Hu, il va venir, il va dire, tu m'aimes vraiment, mon fils? Si tu m'aimes vraiment... Pourquoi tu sais pas où se trouve mon trône, où je m'assois, où je suis quand il fait Shabbat? Mais parce que tu l'aimes, c'est un signe d'amour, que tu veux savoir où il est. C'est comme ta femme, elle va te dire où t'étais aujourd'hui. Ça sert à quoi que tu lui dis, je suis là maintenant? Mais non, j'ai envie de savoir où tu vas, parce que j'ai envie de savoir où tu vas. Je veux être avec toi dans ma pensée. C'est ça? Une femme, elle veut toujours savoir où son mari elle va, où tu es exactement, à quelle heure. Et tout ça, c'est marqué où il est Hachem. Alors, il y a un livre qui s'appelle le Etz Chaim. Le Etz Chaim, il a décrit l'arbre là où tout se... L'arbre de la connaissance. L'arbre de la connaissance.
Rabbi, le Aria Kadosh, Rabbi Chaim. L'arbre de la vie. L'arbre de la vie. L'arbre de la vie. Et ça, là-bas, on donne tout l'emplacement de tout, comment ça fonctionne. Que de ce qu'on peut connaître, pas de tout. Et le Pri Etzraïm, c'est quoi? Ça, c'est le Etzraïm, l'arbre de la vie. Et le Pri Etzraïm, c'est quoi? C'est le fruit. C'est quoi le fruit? C'est maintenant qu'on connaît ces choses-là, quand on prie la prière, il faut être mechaven, c'est-à-dire de penser dans l'intention de ta prière, où envoyer ta prière, dans quel monde. Comprenez? Donc, le Etzraïm, c'est la carte. La carte routière. Et le Pri Etzraïm, c'est quoi? C'est le GPS. Le GPS. Mais pourquoi c'est pas dévoilé à tout le monde? Alors, aujourd'hui, c'est dévoilé à tout le monde. À l'époque, c'est le Arizal qui a dévoilé ça à tout le monde. Oui, mais comment les gens, ils apprennent Pri Etzraïm? Alors voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Il y a un problème, c'est quoi? C'est qu'on est des gens qui sont pas assez saints. Et comme on est des gens qui sont pas assez saints, alors on rend la chose trop mathématique. D'ailleurs, la majorité des personnes qui ont étudié ces livres-là, ils sont devenus très mathématiques. Maintenant, il faut penser à la sphéra comme ça, il faut penser à la sphéra comme ça. Ils ont presque oublié ce qui veut dire les mots, Bichlal. Tu les vois dans le livre des Kavanot, avec plein de Yudkevavke, ils sont en train de faire comme ça, Ils ont oublié le mot. J'ai fait attention que là où il n'y a pas de Kavanot, ils lisent très vite. Comment tu lis très vite? Si déjà tu fais les Kavanot, dis chaque mot comme il faut. Non, là, il n'y a pas de Kavanot, tu lis très vite, comme si que rien n'était. Alors, aujourd'hui, ils ont perdu le cœur. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit aujourd'hui, on n'a pas besoin de savoir ces choses-là. On n'a pas besoin de savoir ces choses-là. Il dit, Rabbi Nachman de Breslev, l'essentiel, c'est de prier comme un petit bébé. C'est-à-dire quoi, comme un petit bébé? Ça veut dire, comme un enfant, il prie, il parle à son père. Comme ça, nous, on doit prier, on parle à son père. Maintenant, Rabbi Nachman de Breslev, il nous donne quelques indications de comment se trouvent les mondes dans le ciel. En étudiant la Chassidoute, on découvre plein de indications où se trouvent les mondes. Il y a quatre mondes, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, etc. On en parle petit à petit. Maintenant, le Ari HaKadosh, il a dévoilé ça dans un 10 volumes, que ces 10 volumes-là, 10 volumes, il y a aujourd'hui actuellement des centaines de livres pour expliquer ces 10 volumes-là. Tellement que lui, il a écrit ça extrait sur extrait. Comment? C'est vraiment l'essence. Maintenant, d'où le Arizal, il a pris ça? Le Arizal, il a pris ça pas du Zohar. Le Arizal, un jour, il s'est dévoilé Eliyahu HaNavi au Arizal. Parce que le Arizal, il habitait en Égypte. Il est né en Eretz Israël. Et il était orphelin de son père. Alors sa mère, elle est partie chez son oncle en Égypte. C'était un grand tzaddik. Et le Arizal, il était en Égypte. Il a commencé à étudier la Torah, etc. Et il a commencé un petit peu à découvrir le monde ésotérique, le Zohar, etc. Et il a prié à Kadosh Baruch Hu des années. Il écrit que pendant 12 ans, le Arizal, il était en Itbodedut avec Hachem, en suppliant qu'on lui dévoile tous les secrets du ciel. Jusqu'à qu'un jour, Eliyahu HaNavi est venu. Et Eliyahu HaNavi, il lui a donné un verre d'eau. Que dans ce verre d'eau, il lui a dit, ça vient du puits de Myriam. Et tout celui qui boit du puits de Myriam, son cerveau, il se multiplie fois 1 milliard. Et c'est pas juste qu'il n'oublie plus. C'est qu'il commence à ouvrir tout. Il n'y a plus rien qu'il connaît, qui ne connaît pas. Et le Ari HaKadosh, il a bu de ce verre d'eau. Et depuis ce jour-là, Eliyahu HaNavi venait tous les jours et l'enseignait toute la Torah du Ari HaKadosh, donc c'est ce qu'on dit, le Arizal, mais d'où? Du Zohar et du Tikkuné Zohar. Ça veut dire tout ce que le Arizal a dévoilé, c'est pris du Zohar et du Tikkuné Zohar. Ah, Tikkuné Zohar, c'est de Rabbi Shimon. Zohar et Tikkuné Zohar. Tikkuné Zohar, c'est sur le mot Bereshit. Zohar, c'est sur toute la Torah. Le Tikkuné Zohar, il est encore plus fort que le Zohar. Le Tikkuné Zohar, chaque mot, c'est des mondes en entier qu'on peut expliquer, mamash. Rabbi Nachman de Breslev, il vient et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi, quand j'étais enfant, quand j'ai lu le Tikkuné Zohar, j'ai découvert tout ce que le Hari l'a découvert.
Ça veut dire, le Hari, il avait besoin de boire du puits de Myriam. Il avait besoin que Eliyahu Hanavi y vienne et lui enseigne tous les jours. Il avait besoin de faire avec Bonnédou pendant 12 ans. Voilà. Et Rabbi Nachman, quand il était enfant, c'est-à-dire après l'âge de 13 ans, entre l'âge de 13 et 17, en lisant le Tikkun Ezor, il a découvert tout ce que le Harizal a découvert avant ça. Bon, mais ça, il raconte ça, ça, il dit ça à ses élèves. Mmh. Qu'est-ce qu'il nous laisse à nous? Exactement. Alors, attends. Attends. Donc, maintenant, là, qu'est-ce que je vois? Alors, attends. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vois? Je vois que Rabbi Nachman, c'est une bombe atomique. Parce que Rabbi Nachman, il a même surpassé des tzadikim bien avant lui. Il a découvert les secrets du monde à travers un livre. Ben alors, la question, comme il a dit Stéphane, quand un homme il doit se vanter pour que ses élèves apprennent de lui, je comprends. Mais là, qu'est-ce que moi, j'apprends de Rabbeinu, là? Qu'est-ce que j'apprends, là, de Rabbeinu? Parce que là, moi, je pourrais pas le faire. On ne pourra pas le faire, ce truc-là. Là, parce que là, il nous donne pas le Inyan, comment il a fait. Sur le pshat, vraiment sur le sens simple. Ouais. C'est compliqué, c'est simple, mais c'est de l'orgueil. Quand on le lit comme ça, simplement, on se dit, ah ouais, c'est... C'est pas de l'orgueil. Il faut que tu comprennes. Ces quelques derniers jours, j'ai parlé avec beaucoup de gens. J'ai parlé de certaines conversations. Des conversations qui ont été très difficiles. Mais des conversations saignantes, on va dire. Merci. Tout avec le kavod, ras ve shalom, tout comme il faut bien. Mais des conversations saignantes dans des sujets très difficiles. Très difficiles. Des sujets que, de base, j'essaye de ne pas en rentrer dedans parce que, Bémet, t'as mal à la tête, mamache, quand tu rentres dans ces sujets-là. Je ne vais pas vous dire c'est quoi parce que j'ai pas envie de vraiment aller à la tête. C'est de la Torah, quoi. Oui, c'est de la Torah, mais c'est des sujets que. D'abord, on n'a pas trop besoin de ces sujets-là, mais. Et quand tu rentres, ça te sert à rien. Mais quitte, c'est stam, c'est. Malheureusement, ces derniers jours, oui, j'ai eu cette conversation avec beaucoup de gens. Et vous voulez que je voulais vous savoir quelque chose? Il me demande de répondre à Shlema. Réfoua Shlema. Réfoua Shlema pour Elon Ben Abigail. Elon Ben Abigail. Elon Ben Abigail. Et Yosef Baraïcha. Et Yosef Baraïcha. Ouais, cette discussion. Alors, cette discussion. Et vous voulez savoir quelque chose, mes amis? Ça, je crois qu'un jour, je vous l'ai dit. Avant qu'on parle, avant qu'on ait une discussion, comment on appelle ça, une marloquette? Pas une marloquette, mais pas une dispute, c'est pas ça le mot, parce qu'on un vicoir, c'est une miscorde, une bagarre en deux mots. D'accord, pas d'accord. Oui, mais ça veut dire gentil, pas une discussion, un débat, un débat. D'accord, quand il y a un débat, vous voulez savoir, on peut tourner autour du pot pendant des heures et des heures s'il n'y a pas un but. Et c'est quoi le but? C'est quoi le Emmet? Ça veut dire, si les deux personnes, ils ne sont pas prêts à être ouverts d'esprit en se disant que si le monsieur, il me fait montrer qu'il a raison, je me plie à lui, alors il n'y a même pas besoin de commencer le débat, il n'y a même pas besoin. Maintenant, vous allez voir que la majorité, que nous tous, hein, nous tous, quand on parle avec nos amis, ce n'est pas pour ce terme-là, et quand même on essaye de trucs. Mais vous savez que quand on étudie la Gemara, d'accord? Quand on étudie la Gemara, ces débats-là, il y en a tous les jours. Pourquoi? Parce que moi, je pense comme ça, et toi, tu penses comme ça. Et oui, chacun, il a le droit de penser. Mais c'est certain qu'il y en a un qui se trompe. Donc, il faut que... Non, normalement... Non, je parle de nous comme nous. Je parle des gens qui étudient la Gemara, pas dans la Gemara elle-même, tu comprends? Nous, on est des imbéciles. Donc, nous, quand on étudie, c'est des fois, on a mal compris, tu comprends? Donc, lui, il croit qu'il a compris, moi, je crois que j'ai compris. Alors, on commence à se débattre. Et lui, il dit comme ça, moi, je dis comme ça, il dit comme ça, il dit comme ça. Jusqu'à ce qu'il dit, ah ouais, t'as raison, je crois que t'as raison, c'est toi. Et bah, sauf, ça part. Pourquoi? Parce qu'on est ouvert d'esprit, tu comprends? C'est juste un inyan de... Mais quand, dès le débat... Voilà, maintenant, pour rechercher la vérité, il faut des bases. Vous savez, c'est quoi les bases pour rechercher la vérité? C'est un petit peu de connaissance, frère. Pas je crois que, je pense que, je... Non, il faut un minimum de connaissance. Parce que tu peux pas venir parler au nom de je ne sais pas qui, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, quand t'as jamais ouvert aucun livre de Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu peux pas parler au nom de Baba Salé
quand tu sais même pas quand il est né, quand il est mort. Tu peux pas parler en son nom, tu comprends? Donc, maintenant, quand il y a des gens qui viennent et qui disent, ouais, mais qui vous êtes, c'est qui votre âme, et comment vous faites, et qu'est-ce que tu dis, et d'où t'as vu ça, et nous, on n'a jamais vu ça. C'est qui nous? C'est qui vous? C'est qui votre âme? De quoi tu me parles de A à Z? Je n'ai rien compris. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, notre bouche, ça parle très 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 vite, et les gens, ils s'avancent. Ils s'avancent! Des Israéliens ou des Français, cette fois-là? Tout, les deux. Tout. Et malheureusement, maintenant, c'est ça le problème. C'est que les gens, ils recherchent plus la vérité, donc le débat n'emmène nulle part. Et Bassoff, qu'est-ce qui se passe? Bassoff, c'est le monsieur qui se retrouve là, qui saigne du sang. Pourquoi? Parce qu'il saigne de son cœur. Pourquoi? Parce que lui, il veut vraiment essayer de faire rentrer la vérité. Maintenant, les gens ne comprennent pas que lui veut faire rentrer la vérité. Non, mais c'est ta vérité à toi. Non, alors, c'est pour ça que je suis en train de parler de ça. Pourquoi je parle de ça? Je donne un exemple à Rabbi Nachman, d'accord? Parce qu'on était en train de parler de Rabbi Nachman. Là, on a dit, Rabbi Nachman a raconté son éloge, d'accord? Un mec, il va venir, d'accord? Un mec, il veut venir. Ouais, mais oh, mais comment on parle de... C'est pas un peu de la gava? Nachman, c'est une question normale? C'est une question normale, non? Une personne qui connaît. Non, mais même de base, c'est une question tout à fait normale. Mais si on lit le Sefer HaChassidim, c'est pas une. Oui, mais voilà, parce qu'il faut le lire, non, c'est ce que je dis. Tu viens de le lire. Ouais, mais c'est ça ce que je te parle, c'est ça. C'est qu'un sens plus profond, j'ai compris. Attends. Hey, John, toi, tu comprends pas. Moi, je vais dire comment ça se passe. Parce que ça, c'est encore gentil. Parce que comment moi, je vous l'ai fait, ça devient un peu plus violent. Le Hari Akadosh, parce que là, je vous ai fait montrer que Rabbeinu, il a atteint un niveau que le Hari n'a pas atteint. C'est un peu violent, là, ce que je suis en train de vous dire. D'accord, mais attends, écoute bien. Il y a quelqu'un qui va dire, c'est pas de la gaba, ça? Alors, c'est une question. Maintenant, avant que je te réponde, mon frère, je parle pas de toi, hein, je parle du mec. Avant que je te réponde, qu'est-ce que tu sais? Non, au sujet de la gaba! Combien de livres t'as lu sur la gaba? Donne-moi une explication, c'est quoi gaba? T'as fait quoi comme doctorat sur la gaba? Est-ce que t'as lu tous les livres de tous les tzadikim que t'as vu que tout le monde n'a pas dit une seule éloge sur soi-même? Alors ferme ta bouche! Donc t'as plus jamais une question. Alors voilà! Ça s'appelle. Et tu sais comment ça s'appelle ça? Emunat Rahamim, frère. Ben, c'est tout. Ça s'appelle Emunat Rahamim, ça veut dire ne rentre pas dans des godasses qui sont plus grandes que les tiennes! C'est pas ça, c'est que ça... En quoi ça te dérange même si quand il avait 5 ans, il connaissait tous les Sefarim? Mais il y a des gens que ça les embête. Il y a des gens que ça les embête. Ils ne peuvent pas. Ils croivent. Il y a des gens malades. Il y a des gens malades qui croivent que quand on dit des paroles comme ça, on est en train de les piquer. Mais on n'est pas en train de vous piquer, mes amis, on est en train de raconter une histoire toute simple. Si ça sera le Baal Shem Tov, c'est le Baal Shem Tov. Si c'est Rabbi Mordechai Minechri, c'est Rabbi Mordechai Minechri. Si c'est le Gaon de Vilna, c'est Gaon de Vilna. Pourquoi vous vous sentez visé? Parce qu'on parle de Rabbi Nachman, parce que c'est Rabbi Nachman. Alors oui, Rabbi Nachman, il a dit des choses qui sont vérités sur soi-même que personne n'a dit. Alors, mais ça va. N'en faites pas un plat. Alors la question qu'il a posée Stéphane. C'est quoi? Qu'est-ce que ça nous emmène? Qu'est-ce que ça m'apprend à moi? Oui. Nahon? Alors j'avais une réponse ce matin. Mais après j'ai pensé à une autre réponse. Ce matin j'ai pensé à une réponse, c'est quoi? C'est que dans le chiffre Aran, c'est quoi le chiffre Aran? Éloge de Rabbi Nachman juste avant le Sichot Aran. Il y a un livre qui s'appelle Éloge de Rabbi Nachman. C'est un livre que je conseille à tout le monde. C'est le commencement de Rabbi Nachman, c'est de la folie cette beauté. Il est en français. Voyage. Si, éloge. Ça s'appelle éloge. Ah, oui. Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, il raconte sur Rabbi Nachman que Rabbi Nachman, au début, quand il étudiait les livres les plus simples comme le Chumash et le Rashi, il ne comprenait rien. Mais rien, quand je vous dis rien, rien. Jusqu'à que le Moré, il venait, il disait Nachman. Mais il y a des niveaux d'imbécilité. Ça veut dire, c'était le seul. C'est-à-dire, tout le monde a déjà compris. Tout le monde a compris, t'es le dernier. Maintenant, c'était chaque semaine, le même histoire. On venait à la fin, le vendredi, le Moré lui posait la question, c'est quoi la paracha de la semaine? Je sais pas. Pendant toute la semaine, ils ont étudié la paracha de la semaine. Qu'est-ce qu'on raconte? Je sais pas. Mon fils, il est pareil. Ça dit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Rabbeinu, il savait pas. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Nachman? Dans Shifra Aran, il a écrit. Il payait.
Non, ça c'est après plus tard. Avant, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait dans la forêt, à côté de sa maison à Mejibouj, là on est allé la semaine dernière. Il pleurait, Hachem, Hachem, comment tu m'as fait un âne battu? Comment tu as osé de me faire comme ça? Il pleurait, Hachem, il pleurait, mamache. Il pleurait des larmes. Comment tu oses me faire comme ça, Ribbono Shel Olam? Je t'en supplie, ouvre-moi mon cerveau. Et là, Rabbi Nachman de Breslev, après qu'il a pleuré pendant un an de pleurs, HaKadosh Baruch Hu lui a donné le Chumash Rashi. Et vous croyez que c'était fini? C'était pas fini. Parce que l'année d'après, il faut étudier les Mishnayot. Il rentre les Mishnayot, il commence à étudier, ou alors, tout depuis le début, allez, au Mishnayot, il ne sait plus rien. Alors, il est dans une classe, là où normalement, Chumash Rashi, il aurait dû redoubler. Alors, il aurait dû redoubler, ouais, d'accord. Le monsieur ne savait pas les Mishnayot. Et lui, il n'a pas attendu la fin de l'année pour comprendre. Tout de suite, il est allé dans la forêt, il a pleuré, Hachem, les Mishnayot. Mais comment tu m'enlèves mes Mishnayot? Comment c'est possible? Comment tous mes copains connaissent et moi je connais pas? Il a pleuré sa race. Il a pleuré, Hachem, donne-moi les Mishnayot. Jusqu'à Kakadosh Baruch Hu lui a donné les Mishnayot. Et pareil pour la Gemara l'année d'après. Alors moi, je me suis dit, si Rabbi Nachman de Breslev, il a compris le... dans le Tikkun Ezoar, le Etzraïm et le Pri Etzraïm, que c'est complètement l'inverse de ce qu'on a étudié dans Shifra Aran. C'est-à-dire que le mec, au début, il comprenait même pas le Chumash Rashi. Maintenant, il connaît tout le Etzraïm du Tikkun Ezoar. C'est quoi? C'est que Rabbi Nachman a pleuré pour connaître Hachem. Il y a des gens aujourd'hui qui se payent des gens, qui achètent des livres spéciaux, qui vont entendre des cours d'un tel et de monsieur et de je ne sais pas qui, pour étudier de la Kabbalah ou je ne sais pas quoi, et qui se disent, ouais, moi j'ai essayé, j'ai pas arrivé, j'ai pas compris. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, moi, j'ai un seul maître, c'est Dieu. Je comprends pas, je lui demande. J'ai besoin de savoir quelque chose, je lui demande. J'obtiens pas, je pleure. J'obtiens bien, je pleure. Exact, c'est pas comme, c'est comme, c'est un père et son fils. Hein? Il y a un truc qui est dur, c'est de pleurer. Le pleurer. Truc qui est dur, c'est de pleurer. Alors oui, alors. Des fois, ils viennent pas. Nahon. Elles viennent pas du tout. Nahon. Mais tu veux que je te dise quelque chose? Moi, je vais te raconter une histoire. Hachem, il a fait que malheureusement, je donne des cours tous les soirs et que je peux pas étudier la Torah comme je faisais à l'époque. Et moi, ça me fait très mal, malheureusement. Ça me tue. Et un jour, je suis allé à Kever Rachel Imenu. Et d'un coup, je regarde le kollel. Juste à l'entrée, tu sais, il y a un kollel. Un kollel. Maintenant, la majorité là-bas, c'est mes copains. Je rentre dans le kollel. D'un coup, j'ai oublié toute ma vie. J'entends tout le monde. Je vois les mecs qui sont dans un trip. Ils sont dans un monde. Maintenant, dehors, il y a des gens, il y a qui du va et du vient, des Seoudot, Rachalimenu. Ils sont pas là, les mecs. Ils sont pas là, ils sont dans le Limoud Torah. Ils sont là en train de parler de trucs. Et non, ils prennent les livres. Un monde. Esh à Torah, le feu de la Torah. Tu sais ce que t'as envie? T'as pas envie de pleurer, frère. T'as envie de chialer tout ce que t'as dans ton corps. Tu dis, mais qu'est-ce que je fous dans ma vie? Comment je peux passer à côté de ma plaque? Comment c'est possible? Quand tu rentres dans un vrai collèle, hein, je parle pas d'un collèle, un vrai collèle. Pas là où ils boivent du café au lait toute la journée. Je parle des vrais collèles, où ils sont payés 420 shekels par mois. C'est ça les vrais collèles. D'accord? Rentre là-bas, entends le feu de la Torah. Comment pendant 4 heures, ils sont pas dans ce monde. Pas dans ce monde. Ils sont pas là, les mecs. Ils sont pas là. Et là, tu vas voir comment tu vas pleurer, ta race. Parce que tu vas te dire, mais... Oh là là, je vais être comme eux. Maintenant, tu peux être comme eux parce que c'est des mecs comme toi, ces mecs-là. Il faut juste y mettre, c'est tout. Alors oui, tu vas pleurer parce que tu vas pleurer. Alors, maintenant, je te dis pas maintenant qu'il faut que tu ailles pleurer comme Rabbeinu, parce que bon... Mais, tu sais, il suffit juste de dire « Aïe !» de faire un soupir. Il dit « Rabbi Nachman, comment le soupir, c'est important ? Comment ça te fait l'effet ?
juste de dire Miribono Shelolam, rien que, parce que le cours dernier, qu'est-ce qu'on a parlé de quoi? De la tonation des Tikkunezoar, d'accord? On a dit le rien que ça, dans le ciel, ça fait des mondes, d'accord? Rien que ça, toi, quand tu vois des gens qui étudient toute la journée, tu vois, qui sont comme ça, tu dis, oh, Ribono Shel Olam, en disant avec la tonation, tu dis, mais ça, ça fait bouger ciel et terre, ciel et terre. Maintenant, c'est ça, nous, qu'est-ce qui nous arrive? Donc, c'est quoi l'étude qui nous apprend, la Rabbi Nachman? Il nous apprend, il dit, mais qu'est-ce que vous croyez que je suis en train de vous faire mes muscles devant vous? Mais qu'est-ce que j'ai besoin de vous, moi? Devant vous, je vais faire mes muscles. Mais pas du tout. Il dit, Rabbeinu, mais quoi, moi j'étais un imbécile quand je suis né. J'étais un imbécile. J'ai besoin de savoir quelque chose, et ben je vais le tenir, je vais l'attraper, je vais pas lâcher jusqu'à la fin de toute ma vie. Je vais aller dans la forêt et je vais demander, Ribono Shel Olam, sache une chose, que je vais te demander jusqu'à ce que je vais l'obtenir. Voilà, sache-le. Si ça va prendre 50 ans, et ben 50 ans, je vais te casser la tête jusqu'à ce que je l'obtiens. Parce que moi, je lâcherai pas tant que je l'obtiens pas. Je ne lâcherai pas jour et nuit. Tous les trois fois par jour, je te demanderai, je te casserai la tête, tout, jusqu'à que je l'obtiens. Je veux obtenir mon heure, dites bonne doute, par exemple. Dieu, Hachem, il disait, donne-lui, vas-y. Ouais, jusque-là, exactement. Dieu, il lui dit, bon, allez. Exactement, j'en ai marre, là. Donne-lui, donne-lui. Ouais. Ouais. Débarrasse, donne-lui même un peu plus, comme ça, il me laisse tranquille. Et oui, c'est comme ça, parce que, oh, combien il peut. Ça, c'était ce matin. Et après, cet après-midi, j'ai pensé autrement. Cet après-midi, je me suis dit, Rabbi Nachman, des fois, il dévoile sa force pour qu'on sache avec qui on a affaire. Vous savez, des fois, des gens qui demandent la tzedaka, malheureusement. Alors, il y a plusieurs niveaux. Il y a le monsieur fatigué qui vient et dit, tu n'as pas quelque chose à m'aider? C'est le monsieur normal. Alors, un homme comme ça, quand il demande, il doit s'attendre à maximum 20 shekels. Maximum. Oui, maximum. Maintenant, il y a un deuxième mec qui sait un peu plus son travail. Il vient, il dit, écoute, mon frère, il me manque bidiouk 200 shekels. T'aurais pas à m'aider 200 shekels? Alors, dès qu'il dit ça, le monsieur, là, il va mettre 100 shekels. Il va pas donner 200, mais il va te donner 100. Donc, il a déjà, il connaît un peu plus son travail. Maintenant, il y a des gens qui font encore plus le... C'est des gens déjà qui sont bien habillés. Ils te font une petite blague. Comment ça va? Ils parlent, etc. T'aurais pas, tu sais, j'ai un petit souci. Il est, il lui fait rentrer dans ses problèmes, petit à petit, en rigolant, deux, trois petites blagues, etc. Il lui dit, bon, bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? T'aurais pas un petit truc à m'aider? Un petit 1000, 2000 shekels, un petit truc comme ça? Et là, le monsieur, il va venir, il va lui faire son chèque, etc. Et ainsi de suite. Mais maintenant, toujours, tout est en fonction de la personne. Parce que tu vois la personne, tu sais combien il faut demander. D'accord? Maintenant, quand on vient chez le monsieur qui fait la mendicité, on dit, tu vois ce monsieur-là? Il pèse 1 milliard de dollars. Maintenant, tu lui demandes 1 million, il ne va même pas les sentir. Qu'est-ce qui se passe? Le monsieur qui demande de l'argent, il va commencer à se créer un monde en entier. Comment il va faire pour obtenir son million? Oui ou non? Parce qu'il se dit, c'est quoi 1 million pour lui? C'est rien du tout. Il a 1000 millions. C'est quoi 1 million? Il a 1000 millions. Un petit million pour moi. C'est pas... Il y a 30 000 personnes par jour qui lui demandent 1 million. Alors ouais, non mais on va dire... bon, d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire, il va mettre en... D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Imagine-toi, ce monsieur, il va. Et il dit, vous aurez pas un tout petit billet, 100 shekels, 200 shekels? Ce monsieur, il faut lui donner une baffe. Mais t'as pas honte? Pourquoi je t'ai dit qu'il vaut 1 million, celui-là, 1 milliard? C'est pour que tu lui demandes tout ce qu'il faut. Il dit, ouais, mais j'avais honte, je savais pas, je sais pas... Rabbi Nachman de Breslav, il a dit, écoutez, mes amis, écoutez. Moi, je suis descendu, je suis un banquier. Vous savez, c'est quoi un banquier? Ça veut dire, moi, mon sahar en haut dans le ciel, c'est pas en fonction de combien je vais gagner, c'est en fonction de combien je vais donner que j'ai mon sahar dans le Olam Haba. D'accord? Donc, mon sahar dans le Olam Haba, à moi, il dit Rabbi Nachman, c'est pas comme vous. Vous, vous devez le maximum prendre. Ouvrir des bagages, mettre dans les bagages. Tzedakah, Nasat Orim, Shabbat, Emouna, Yirat Hashem. Vous, vous devez faire entrer. Il dit, moi, c'est exactement l'inverse. Moi, on m'a donné des valises et des valises. Je dois repartir de ce monde vide. Et pas vide, endetté même. Nous, c'est marqué, ça.
Mefourage, c'est Mefourage. Chaye Moharan, Rabbeinu, il a dit. Chaye Moharan, mais qui lui a donné tous ces... Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu. Non, mais alors... Tu rappelles ce que j'avais dit quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à tout le monde, toutes les paroles. Ah ben, lui, il a dit, je crois, donc il a dit, tu crois en moi, je te donne tout. Et c'était, t'es le seul qui a cru en moi, je te donne. Donc il est venu, il lui a donné. Alors maintenant, c'est pour ça que Rabbi Nachman, il vient et il dit, écoutez les gars, ne croyez pas que je vais faire sur vous, Chas v'Shalom, de la gava ou pas. Ma pitam, je suis là parce que c'est ça mon travail. Si je donne pas tout ce que j'ai un vrai problème. Là, je deviens un rachat. Là, j'ai fait un problème dans mon service divin. Mon service divin, c'est quoi? C'est de venir et d'aider le peuple juif. Alors, cette sira, c'est pour leur donner soif, en fait. C'est pas pour nous soif. Sacha qui t'a à faire. Sacha qui t'a à faire, mon frère. En gros, ne demande pas 100, quoi. Demande-moi 1 million. Mais même pas, demande tout. Demande tout. Demande tout. Ne demande pas 1 million, demande tout. C'est ça, c'est pas demande tout. Maintenant, parce que. Moi, ma question, elle revient toujours. Attends. Je suis en plein milieu de l'histoire, là. Je suis en plein milieu de l'histoire, les gars. L'histoire, c'est pas terminé encore. Il s'est passé quelque chose. Je vais prendre un billet d'avion, là, pour. Mais demande l'avion, simplement. Demande l'avion. T'as oublié. C'est ça. C'est très dur. T'aurais dû faire un chien, quoi, en dessous. Très dur. L'histoire continue. C'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est que Rabbi Nachman est venu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent frapper à sa porte. Alors il a dit, j'ai un problème. Parce que si on ne vient pas frapper à ma porte, je devrais donner des comptes à Hachem. Hachem, il me dit, je t'ai donné des trucs. Tu t'es avancé en te disant... C'est pour ça qu'il a promis. Bien, ça fait partie. Ça fait partie de ses promesses. Il a fait la promesse. Pourquoi il a fait la promesse? Pour amener le maximum de gens. Mais il n'y a pas que ça. C'est que Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis dans le monde, je vais appeler ça comme c'est moi qui le dis, des garinim, comment on dit? Des graines. C'est-à-dire comme des arbres qui vont donner dans le futur des fruits qu'on pourra piocher, prendre et ça va nous aider. C'est quoi? Ce sont des livres avec des conseils. Il a mis des livres et des conseils. Les livres en lui-même, ça vaut rien. Un livre, ça vaut rien. Un livre, il faut l'ouvrir, étudier, appliquer, là ça vaut quelque chose. Tant que tu ne l'as pas ouvert, ça vaut rien. Donc Rabbi Nachman, il a créé des graines, il a mis des graines un peu partout. Il a dit maintenant, votre travail à vous, c'est de planter des graines un peu partout. Chacun, planter des graines, on ne sait pas qu'est-ce qu'un jour il va venir, il va prendre une pomme, il va manger, il va être brûlé au fer rouge pour toute sa vie, lui, ses enfants et toute sa famille. On ne sait pas. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quoi? Que maintenant, malheureusement, on n'utilise pas assez les conseils, les cadeaux, tout ce que Rabbi Nachman a donné. On n'utilise pas. Rabbi Nachman de Bressev, il a dit, je suis un trésor de crainte de Dieu. Otsar irat shamayim. Salut mon frère, que des bonnes choses. Ouais, il a dit, même commencer à utiliser les cadeaux. Si c'est si grand, si c'est si fort. Ouais. Depuis Rabbi Nachman, jusqu'à aujourd'hui, il y avait des tzadikim. Vadaï. Comment ça se fait que tout le monde n'a pas été cachot avec Rabbi Nachman? Par exemple, le Rav de Nechris, la dernière fois, t'as raconté, ouais. Qu'il a raconté Rabbi Nachman, ouais. Ce que tu veux, qu'il savait que c'était le petit-fils du Baal Shem Tov, qui était Mechabed Oto et tout. Et qui, plutôt, il n'est pas devenu son ami frère. Mais il y en a que oui. Non, moi je veux savoir pourquoi non. Je sais pas. Là, tu poses une question sur des tzadikim énormes que je ne sais pas. Que sur les tzadikim. Mais je ne sais pas. Dafka, plein de gens. Et ben malheureusement, ceux qui... Pourquoi un, il va aller dans tel chassidout, l'autre, il va aller dans l'autre chassidout, l'autre, il va être titaï, l'autre... Pourquoi ils sont pas tous chourim à Rabbi Nachman? Je sais pas. Parce qu'ils connaissent pas, ils savent pas assez. Bah oui. Ils savent pas assez. Non, mais si c'était si grand, tu comprends, une lumière, elle va éblouir. Tout le monde. Il y a un grand Yézara pour cacher cette lumière. Non, je veux dire que... Si les gens sont pas au courant, David. Ils sont pas au courant. Les gens sont pas au courant. Oui, mais ils sont pas au courant, mon frère. Il essaye de cacher. Qui sont allumés, et pas par la Kedusha. Ils sont allumés par la Kedusha. Les gens, il y a quelque chose de fort qui se passe quand je parle. Je ne suis pas en train de dire. Oui, non, pas de question. C'est pas ça. Il faut aller. Il y a des gens, ils ne veulent pas aller. C'est pas ça, je dis. C'est pas ça que j'ai posé comme question, Fred.
Les gens ne m'écoutent pas. Plus que ça, les tzadikim, pour eux, c'est encore plus dur pour eux de se rapprocher de moi, Rabbeinu il a dit. Les tzadikim, c'est un autre inyan, c'est un yetzer hara autre. C'est pas nous, c'est facile, nous. Nous, on a rien devant nos yeux, on connaît un tzadik, c'est tout. Les tzadikim, ils connaissent tout. Mais David, il ne faut pas se poser cette question. Il ne faut pas se poser cette question. Non, mais il n'y a pas à chercher à comprendre. On ne peut pas comprendre ces choses-là. Non, mais ça veut dire que. Oh, ouais, vas-y. Non, mais c'est pas parce que tu l'appelles David que les gens vont savoir que c'est Stéphane qui pose des questions. Parlons bien. Tu peux me laisser te lire un petit truc que j'ai lu aujourd'hui ? Bien sûr. Tu sais, Bleinara, que Baruch Hashem, je l'ai lu plusieurs fois déjà, Baruch Hashem, cette parole. Je puisse la lire encore des centaines de fois. Mais à chaque fois que je le relis, ça me remet une picouse. Ça me redonne de la. Et je vais vous dire quelque chose. Je suis pas un imbécile. J'ai lu Baruch Hashem beaucoup de livres. J'adore tous les tzadikim. Et je dis pas j'adore Stam. Je connais leurs livres. Je connais leurs écrits. Je les ai étudiés pas qu'une seule fois. La majorité de tous les tzadikim, les chassidim. Dans la conversation Chaim Oharan numéro 250. Rappelez-vous toujours 250, pourquoi ? Parce que c'est Rechnoun. Rechnoun, c'est racheter votre Rabbi Nachman. Dans la conversation Rabbi Nachman de Chaim Oharan, il dit comme ça : Amar, Oti, Tzrichim, Kol Haolam. Moi, le monde en entier a besoin de moi. L'homme Ibaya Atem. Je ne parle pas de vous qui atem yodim batzmechem, car vous le savez que vous avez besoin de moi. Et la filou kol atzadikim tzrichimoti. Mais tous les tzadikim ont besoin de moi. Ki gam em tzrichim l'arzir otam lamoutav, car même eux, il faut les ramener dans, au bon. Il dit, mais pas que eux. Vegama filou ou mota olam. Même les goïms, ils ont besoin de moi. Ardayol avait de l'autre carabon, mais comme Dieu m'a mis sur un juif, donc je me contente de ramener mes frères juifs. Mais si Dieu m'aurait demandé de ramener même les goïms, ça aussi je l'aurais fait. Bien, mais... Non, mais tu sais ce que c'est cette mais parole. Personne ne comprend cette parole, David. Personne ne comprend. Il faut pas être teubé, je veux dire, bon, il n'y a pas. Oui, voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Quoi, t'as une question ? C'est où tu crois ? Où tu crois pas ? Taisez-vous, non. Maintenant, laisse-moi placer une place, parce que même vous n'avez pas compris ce que je suis en train de dire. 205. Si, moi j'ai compris. Non, vous n'avez pas compris. Parce que, encore une fois, cette parole-là, on la prend comment ? Comme je vous l'ai dit au début. Ah ouais, mais vous les Breslev, vous êtes désallumés. Vous les Breslev, vous dites des paroles que je ne sais pas d'où ça vient. Et vous les Breslev, Rabbi Nachman, c'est pas de la gava ce qu'il est en train de dire. Ma pitom, encore une fois, je vous répète. Non, parce que c'est très important, parce que là, il y en a des mecs qui vont encore commencer à... Mais là, ce que je veux vous dire, c'est que Rabbi Nachman, pourquoi il dit ça ? Parce que Rabbi Nachman, il dit, mais ce que vous comprenez pas, c'est que moi, on m'a donné... Je vais vous parler très grossier, d'accord ? Très, très grossier. C'est un mec qui a un garage de voiture. On lui a donné des pneus, d'accord ? Il vient, il fait des modaotes, comme on dit. Des annonces. Des annonces partout, Facebook, partout. J'ai les pneus les meilleurs au monde. Il a vraiment les pneus meilleurs au monde. Maintenant, lui, il est payé en fonction de plus il en vend, plus il est payé. Donc, plus il en vend, plus il est payé. Donc, il doit vendre le maximum de pneus. Rabbi Nachman de Breslev, il a des maximums de spiritualité, de chemin, de conseil pour ramener le peuple juif à la Teshuvah. Si vous ne faites pas comprendre que Rabbi Nachman, c'est lui aujourd'hui qui a la seule possibilité de pouvoir avoir de la pitié, de la miséricorde pour des gens crasseux comme nous. Et que si vraiment on veut se rapprocher de Dieu, ressentir Akadosh Baruch Hu, parler avec Hachem, d'être content dans notre vie, regarder que les points positifs, regarder que les choses qui peuvent nous renforcer, avoir des sentiments quand on parle avec Akadosh Baruch Hu, d'avoir des frissons quand on lit le Shema Israël. Ça a été quand la dernière fois que vous avez eu des frissons pendant le Shema Israël? Ça a été quand? Kippour. Alors mes amis, qu'est-ce qui se passe? On vit de Kippour en Kippour. Qu'est-ce qui se passe? Le Tikkun HaKlali, vouloir faire Teshuvah vraiment,
crie à Hachem en disant j'en ai marre, mon Dieu, Ribono Shalom, je veux que quelqu'un s'occupe de mon âme. Jusqu'à quand je vais rester le même mec? Pourquoi quand il y a toujours une petite truc, je tombe en colère? Comment c'est possible? Pourquoi quand j'ai un petit problème, je tourne en vrille? Comment c'est possible ces choses-là? Rabbi Nachman, il vient, il dit, moi j'ai la possibilité de vous créer des ailes. Vous allez vous envoler. Vous allez plus ressentir ce menti. L'argent ne va plus vous parler. Les femmes ne vont plus faire effet sur vous. Il n'y aura plus rien sur vous. Il n'y aura que la Torah, la Vodat Hashem, la Yirat Shamaim. C'est tout, il n'y aura que ça. C'est pas le cas, mais on est dans ce chemin-là. Dans le chemin, c'est tu tout. Sais ce que j'ai entendu aujourd'hui à un Rav qui a dit une très belle parole. Bemet, Stam. Le Rav Dinovitch, Stam, je le dis parce que, bon, c'est, il a dit. Il y a une pas religieuse qui lui pose la question. Il a interviewé parce que, je sais pas quoi. Alors, vous voulez nous faire. Chozar Bitchouva comment on dit nous faire revenir. Alors, il a rigolé. Il a dit, ce que t'as pas compris, c'est que... Tiens, tiens. C'est pas vrai que je prends dans la tête aujourd'hui. Je suis le rachat du cours. Alors il a dit, mais ce que t'as pas compris, c'est que depuis que tu es né, t'es en train de faire tes chouvas. Sans que tu le saches, les gens ils croient que, ah ça y est, je commence à faire tes chouvas, ça y est, je suis en mode... Mais t'as pas compris que depuis que t'es né, t'es dans le chemin de faire tes chouvas, frère. Toi, tu sais pas, David. Mais depuis que tu es né, tu te rapproches de Rabbeinu et d'Hachem. Depuis que tu es né. Et Hachem, il fait avec toi des secrets, pas que avec toi, avec tout le monde ici. Les cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu nous font, les tzadikim qui nous font. Combien les tzadikim, ils nous aiment. Il y a un vouloir, le vouloir. Crois-moi qu'on veut. Crois-moi que ça suffit. Le fait est qu'on est descendu dans ce monde si on veut. On, cette volonté, elle est énorme. Elle est enfouie en nous, mais elle est énorme. Alors, bevadaï, que plus on veut, plus on obtient. Bevadaï. Mais crois-moi qu'on a assez de volonté déjà. Assez. Dans ce monde-ci, qu'on a une kippa, qu'on vient dans un... On a la volonté parce que nous, on est restés attachés. Nahon. Ils s'en foutent. Mais quand même, ils ont une certaine volonté. Quand on dit, vous voulez pas faire le minyan ou le dixième, tu vois des gens, ils ont même pas de kippa, ils mettent la kippa, ils disent amen, ils se barrent. Maintenant, le mec. Le. À ce moment-là, il compte ou... Mais Vadaï qui compte, c'est ça ce qu'on a dit. Mais oui, qui compte. Tout compte pour Hachem, c'est ça ce qu'on a dit. Tout compte pour Hachem. C'est non, c'est pas, c'est ça la beauté. La beauté, c'est que Rabbi Nachman, c'est ça la beauté, c'est quoi? C'est que Rabbi Nachman, il arrive à t'apprendre à toi tes sentiments à toi qui sont enfouis en toi. C'est ça la beauté. C'est qu'il vient, il te prend ton cœur, il te le défonce, il te dit je vais te faire montrer maintenant qui tu es. Et d'un coup, t'as envie de faire tes chouvas, tu pleures, tu es besimcha, tu danses. Tant que ça n'arrive pas, ça veut dire qu'on ne s'est pas approché bien, comme il faut de Rabbi Nachman. Ouais. Non mais on l'a. Ouais. On l'a ce sentiment que on se sent bien. Ouais. Tu sais combien ça manque? C'est quand la dernière fois que quand t'as posé la question à quelqu'un, comment ça va mon frère? Il te dit, tu veux que je te dise quelque chose? Je suis au plus top niveau de ma journée. C'est quand? Il y a quelqu'un qui a que vous avez entendu? Mais c'est bon, tu le dis pas ça. Hein? Parce que t'as peur de l'œil. Ouais. Voilà, lui il a dit ça. Johan il a dit. Pourquoi? Parce que Johan il est arrivé chez Rabbeinu, il vient de chez Rabbeinu. Ah ouais. C'est plus. Voilà, ouais, voilà. Chas v'shalom, ça puisse tenir jusqu'à la fin de ses jours. Ratachem et qu'il soit notre exemple. Exactement. Bezrat Hashem, c'est ça la vie, mes amis. C'est quoi la vie? C'est de s'en foutre de ce monde. C'est que ce monde n'a pas emprise sur moi. C'est moi qui est le roi de ma propre vie, de ma parnassa, de ma situation, de mes sentiments. C'est pas l'argent qui va me créer mes sentiments, si je suis bien ou pas bien. C'est quoi la dernière fois qu'on a dit? Mais tu sais quoi? Aujourd'hui, c'est le plus beau jour de toute ma vie aujourd'hui. Et pourquoi? Bah parce que je suis là. Je suis content. Oui, il y a besoin de savoir des trucs. Parce que si j'ai gagné le million, c'est là où ça va être le plus beau jour de ma vie. Non, c'est aujourd'hui même. Aujourd'hui, je suis allé aux toilettes. Vous savez, c'est quoi ce miracle d'aller aux toilettes? C'est le plus beau jour de... Mais vous rigolez, les gars. Vous rigolez. Mais chas v'shalom, il y a des gens qui ne peuvent pas aller aux toilettes. Ils ne peuvent pas aller aux toilettes. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller aux toilettes. Ils ne peuvent pas. Ça ne sort pas. Vous savez comment ils souffrent, le martyr? Ils peuvent pas. Et nous on va. Allez, attends, toi, rien, il s'est passé. Il y a eu un miracle exceptionnel. Rien, il s'est passé.
Mais vous, c'est le plus beau jour de votre vie. Vous avez mangé, vous avez ressenti tous les goûts qu'il y a dans le manger. C'est pas un miracle, ça? De sentir le coca, le sel, la rissa, la pkeïla, tous ces goûts, tu le ressens dans ta bouche. Vous avez chaud? C'est des miracles, tout ça. On a des enfants, on a une femme, on a une maison, on a une petite parnassa. On est en Eretz Israël. On aurait pu être au 9-3 avec les beurres et les cacahuètes et tout ce que vous voulez. Oui, mais on a pris cette décision. Oui, mais c'est quand même un chesed Hachem. Combien de gens ils sont montés, ils sont repartis? Combien de gens ils ont essayé de se rapprocher de Dieu, ils sont retombés? C'est un cadeau de Dieu. C'est des cadeaux tout ça. Combien de femmes ils ont peu plus, ils sont barrés de leurs parents, de leurs maris et de leurs enfants? Combien? Et Baruch Hachem, on est là, Baruch Hachem. C'est pour cela que cette sikha, le but de cette sikha, c'est quoi? Sache à qui t'as affaire. Sache à qui t'as affaire. Un mec, je sais pas, c'est Chas Veshalom, c'est pas bien de dire un mec, à Rabbi Nachman de Breslev, l'homme qui a pu avoir la possibilité à obtenir que par la prière, pas par sa grande sagesse, pas par ses forces, que par la prière, à obtenir des niveaux que les plus grands des plus grands tzadikim n'ont pas obtenu de ces niveaux-là. Et Rabbi Nachman, il s'est dit, je me suis mis pour but que chaque juif qui voudrait être comme moi, il a cette possibilité de pouvoir devenir comme moi. Je vous le raconte que pour vous faire baver, pour vous puissiez baver, pour avoir vous mettre de l'eau dans la bouche. C'est comme ça qu'on dit? L'eau à la bouche. L'eau à la bouche. Ça veut dire, quand il nous déclenche cette envie-là, après cette envie-là, hein, c'est un mérite pour nous. Non. C'est un échamant, vous savez que c'est un échamant? Non, non. Un échamant de Rabbi Nachman n'avait pas... Il a été cherché quand même. Non. Qu'est-ce que tu disais? C'est l'envie qui nous crée, ça nous fait déjà un mérite qu'on a envie d'aller. Non, mais vadaï, c'est déjà un pas, c'est déjà un pas énorme, mais vadaï. C'est un cadeau, ça. Mais vadaï, tous les liens de Rabbeinu, bien sûr. Déjà, ça te donne un mérite à ta envie. Mais vadaï, mais c'est tout ça Rabbeinu, tout ça c'est Rabbeinu. Le fait est d'avoir une volonté qui est béton armé. Mais tu sais comment ça vaut, ça, énorme? Combien c'est rempli, ça, de gens? Tu sais combien de gens il y en a? Tu vois, rempli de chilonim qui connaissent des paroles de Rabbeinu, qui font tikkunakim, c'est des chilonim, les mecs. Pourquoi? Parce que dans leur volonté, c'est des tzadikim. Mais malheureusement, ils n'ont pas fait encore des chevaux. Il y en a plein chez Breslev, des gens comme ça. Parce que Rabbeinu, c'est ça son travail à lui. C'est je vous mets à fond la caisse. Dans la volonté, vous êtes des tzadikim comme Moshe Rabbeinu. On a des niveaux où, des fois, on est comme Moshe Rabbeinu dans notre volonté. Oui ou non? On n'a pas des fois cette volonté-là de vouloir combattre contre le monde, brûler ses yeux, lever le... prendre le monde sur un seul pied et le défoncer. Oui. C'est eux qui se considèrent comme un sadique, c'est un sadique. N'a rien de... Non, mais... voilà, ouais, et ben maintenant, Baruch Hashem, il n'y a plus d'élèves du Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Par contre, Rabbi Nachman, il en a plein. Parce que Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il a dit, mais fourrache. Là où il y a du bon, Rabbi Nachman me l'a pris. Même moi, dans le ciel, je serai l'élève de Rabbi Nachman. Ah là là. Non, mais ça, c'est du Breslev. Tu nous vends du Breslev. Non, mais pas du tout, pas du tout. Pas du tout, il n'y a pas de Breslev. Oublie Breslev. Là, tu nous vends du Breslev. Non. Là, je te vends de la Yirat Shamayim. Là, je vends de la Yirat Shamayim. Mais mec, laisse tomber, Breslev. Si c'est ça qui t'énerve, laisse tomber. Non, je m'en fous. Prends Breslev, jette-le. Jette Breslev. T'as pas besoin de Breslev. T'as besoin d'une personne qui s'appelle Rabbi Nachman. Si tu veux même appeler le Nachman, si t'as envie. Et lui, c'est ton médecin. Il y avait, comme quelqu'un il m'a dit hier, il m'a dit il y avait Batman, il y avait Spider-Man, il y avait Superman et il y avait Nachman. Ouais, mais ça, c'est un fou. Ouais, non, c'est un monsieur. Mais bon, il a dit ça avec son cœur, gentiment. Il a dit ça à son fils. Il a dit, tu sais, mon fils, il y a Spider-Man, il y a Superman, il y a, ben, sache qu'il y a aussi Nachman. Dans un sens, là, c'est mignon, mais ouais. Très bien. Ouais. Donc, mes amis, venez, on continue à lire notre continuation, parce que Rabbi Nathan, il rajoute sur ça une parole. C'est quoi la parole qu'il rajoute sur ça? Il dit Rabbi Nathan comme ça. Vas-y, Bechavod. On ouvre un dictionnaire à la fin. Mes amis, écoutez s'il vous plaît. À de nombreuses reprises, messieurs, à de nombreuses reprises, il fit beaucoup la louange en soulignant le caractère exceptionnel inhérent à la grande sainteté des Tikkuné Zohar. Il avait l'habitude de s'y consacrer énormément, également durant toute l'année, y compris en dehors des jours d'Eloul.
Il affirma que l'ouvrage des Tikkunim inclut toutes les sagesses du monde. L'intensification du désir notoire, c'est-à-dire... C'est tout. Non, ah, ok. C'est tout. Donc ça veut dire quoi? Ah, ça c'est 129. Voilà, c'est parce que qu'est-ce qui se passe? On a dit que tout le Inyan, c'est que Rabbi Nachman, il a découvert ça de où? Grâce au Tikkun Ezohar. Le Tikkun Ezohar, on a dit que c'était un livre qu'à l'époque, on étudiait que pendant le mois de Elul, parce que c'était tellement puissant, qu'il donnait des cadeaux. Il donnait des... Ça lavait la personne, ça purifiait la personne. Il disait, Rabbi Nachman de Breslev, en vérité, moi je le lisais, le Tikkun Ezohar, que pour être purifié. Que pour être purifié. C'est-à-dire même je ne comprenais rien de ce qu'il avait écrit. C'est comme vous, demain, vous disiez, moi je suis trop... Beau, pas bon, je suis trop... Je pue. Alors je vais prendre de l'écouter Moran ou de l'écouter de Philote, et je vais commencer à lire en hébreu sans rien comprendre. Ou alors ça... Non mais Dafka a un grand travail. D'accord, comme parce que là, le Tikkun Ezohar, c'est un livre d'études, tu comprends? Pas un livre de prière. Alors prends par exemple, on va dire Stam, un Likutei Moharan. Et là, tu vas commencer à lire l'Likutei Moharan. Stam, comme ça, d'un coup. Et plus tu vas lire, d'un coup, tu vas découvrir des secrets, Chaval al-Azman. Et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le Inyan de j'ai rien compris. Mais le fait est que toi, tu as lu pour te rapprocher d'Hachem. Hachem, il te dit, eh ben, je vais t'en mettre encore plus. Je vais te faire comprendre, je vais te faire dévoiler des secrets. Comme Rabbi Nachman, lui, il a voulu lire pour être pur. Hachem lui a tout découvert. Tout découvert. Sans verre d'eau. Mes amis, il n'y a pas de règle pour se rapprocher de Dieu. La seule règle, c'est d'avoir un peu de cœur. De l'attachement au tzadikim. Que du cœur. Le cœur a la possibilité, le pouvoir de t'amener jusqu'à la fin de tous les temps. Juste ayez un petit peu de volonté. Ayez pitié de votre âme. Ayez pitié de votre cerveau. Ayez pitié de votre neshama, mes amis. Si on n'a pas pitié, nous, personne ne va avoir pitié pour nous. Il n'y a que nous qu'on peut avoir pitié pour nous. C'est qu'un homme qui sait qu'il est malade, qui va chez le docteur et le docteur lui guérit. Un homme qui ne sait pas qu'il est malade, on ne peut pas le guérir, cet homme-là. Ce que nous, on a besoin de savoir, c'est que le docteur, Baruch HaShem, on le connaît. Le docteur, il est là, il est présent. Il attend juste que tu lui frappes à la porte. Exactement, il attend juste que tu te réveilles, que tu comprennes, que tu souffres. C'est tout. Le jour où tu vas faire comme ça, t'es sauvé. Il faut frapper à la porte d'Hachem, lui dire, Ribono Shel Olam, occupe-toi de moi. J'ai beau connaître Rabbi Nachman, j'ai beau connaître ses conseils, mais je ne suis pas encore son élève. Aide-moi à être son élève. Je veux être l'élève. Je veux faire partie de son équipe. Je veux faire partie de ça. Et Bezrat Hashem, je pourrais, Bezrat Hashem, peut-être, commencer à avoir ce que j'ai à voir. Donc Bezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu nous donne la force, la puissance, la volonté de pouvoir avancer, de pouvoir être content de notre service divin, de regarder les choses toujours comme il faut, avec une bonne vision, avec l'aide de Dieu, de tous les tzadikim, Bezrat Hashem. Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch. Parce que le livre, ça fait 2 ans. Pas, mais... Quoi? Le livre, ça fait 2 ans qu'on attend. Qu'il est en tous. Qu'est-ce que c'est le livre? Il y a un livre qui doit sortir. Il hésite à éteindre le live, là. Éteint.